Donc, euh, 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 bon, j'ai noté, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Ça me fait un peu drôle de commencer en lisant ça, mais vraiment, ça me fait plaisir parce que ça fait presque huit ans que je suis sur ce sujet et j'avais envie vraiment de le présenter ici. Donc voilà, ça s'est fait. Et, donc, euh, ce travail a commencé un peu au hasard quand j'ai vu dans un livre pour enfants l'image que vous allez voir, celle-ci. Ayant l'expérience du cinéma d'animation et de l'analyse du mouvement, cette image m'a beaucoup intrigué parce que dans la suite de figures qu'elle présente, on peut distinguer toutes les caractéristiques des dessins clés que nous, nous utilisons dans le cinéma d'animation. Euh, en cherchant, j'ai trouvé dans un livre l'ensemble de la frise en miniature et j'ai écrit à son photographe Socrates Mavromatis qui m'a gentiment envoyé ces photos à des dimensions normales. Merci encore au passage, euh, il n'est pas là, mais peut-être qu'un jour il va entendre. Euh, cette étude s'est beaucoup appuyée sur ces photos. Euh, il faut noter que quand j'ai commencé ce travail, euh, le nouveau musée de l'Acropole n'était pas prêt. Et il n'était pas facile de voir la frise dans son ensemble, comme la moitié se trouve, euh, se trouvait, se trouve toujours à Athènes et l'autre moitié se trouve, se, trouvait, se trouve toujours dans le musée de Londres. Alors, comme j'observais dans d'autres parties de la frise, cette logique de déclinaison des mouvements des figures en séquence, euh, j'ai commencé à la regarder plus attentivement. Mais la grande difficulté pour ce type d'observation de, euh, provient des nombreuses fissures, des parties brisées, et qui rendaient difficile un examen de la continuité. Euh, J'ai ainsi entrepris de, de retoucher les images, essayant de gommer des fissures parasites de marbre, dont les intensités interrompaient la continuité des scènes. Alors, cette procédure a, tout, euh, a toujours été faite avec beaucoup de prudence et seulement quand il y avait une certitude absolue. Je vais vous donner un exemple. Ici, avant, ici, après. Mais on voit que ces petites interventions euh, facilitent quand même un peu la, la lecture, euh, surtout puisque la frise, elle est assez longue. Et à d'autres endroits, j'ai remplacé des parties disparues par des photos de moulages faites par Fauvel en 1795. Ici, c'est l'image sans les, les remplacements. Ici, c'est les remplacements et les retouches. Ils sont des moulages qui ont été faits à partir des originaux qui existaient à l'époque. Euh, là où il y a des dessins, ce sont ces de Jacques Carré, faits en 1674, c'est-à-dire quelques années avant le bombardement de l'acropole par Morosini en 1687. Ces dessins relativement maladroits sont néanmoins d'une valeur inestimable, puisqu'ils sont les seules représentations que l'on dispose pour certaines parties de la Frise. Mais prenons les choses depuis le début. Ce que nous allons tenter de démontrer aujourd'hui est que dans la frise du Parthenon, il y a une analyse intentionnelle du mouvement, l'animation donc, et utilisation de cette analyse. La représentation des étapes des mouvements sert d'élément structurant à la composition. Le mouvement qui traverse en filigrane plusieurs figures a une signification philosophique. La frise est conçue comme une symphonie musicale et l'analyse du mouvement fournit un support d'organisation rythmique et mélodique. Il est possible de décoder la frise comme une partition musicale et d'interpréter cette musique par un orchestre. Ce qui est encore plus étonnant, euh, est que cette composition symphonique utilise les compte-points avec une maîtrise indéniable, alors que les historiens, ou beaucoup d'historiens en tout cas de la musique, font remonter les origines de cette pratique musicale au 9e et 12e siècle après Jésus. Nous allons essayer de démontrer qu'Ephidias, le concepteur de la frise, n'était pas seulement un grand sculpteur, mais également un grand musicien et aussi un grand animateur. Alors, on va faire une petite parenthèse, une petite histoire de la frise, juste pour connaître le contexte et entrer un peu dans le sujet. Les Parthenons, commandités par Périclès, a été construit entre 447 à 432 avant Jésus-Christ. Et Phidias a élaboré la partie sculpturale. La frise, en bas-relief, est longue de 160 mètres sur 1,05 m de haut. Elle est placée en haut, à l'intérieur d'une série de colonnes, et ainsi elle était difficilement visible. Vous voyez ici un peu l'endroit le, de la frise et cet endroit se trouve là à l'intérieur de ces colonnes à l'intérieur de ces colonnes tout autour de l'édifice et les spécialistes ne sont pas entièrement d'accord sur l'interprétation des scènes néanmoins l'opinion dominante euh, voit dans la frise la procession des grands panathénées pendant laquelle on remettait au parthénon les peplos en vêtements qui est des gènes athéniennes tissées destinées à orner la statue de la déesse Athéna. Sur la, sur la frise, on compte 360 personnages et nombreux chevaux euh, et des animaux destinés au sacrifice. Euh, L'action commence à, à la frise de l'ouest, c'est-à-dire par là. Euh, la partie arrière du Parthénon et se propage vers l'est. Les visiteurs entament la visite de la même manière et arrivent à l'entrée en parcourant la longueur du temple. Les visiteurs ils la suivent cet itinéraire rouge, mais ils ne pas monter euh, immédiatement. Enfin, ils ne pouvaient pas monter. Il, il, euh, il fallait s'orienter euh, à l'entrée. Enfin, le devant, c'était par là. Euh, La partie ouest besoin encore une... euh, représente des scènes de préparation avec des hommes qui discutent, retiennent leurs chevaux ou commencent à galoper. petit à petit bien qu'il est assez abîmé mais on voit des scènes euh, vaguement ici il y a des chevaux qui galopent ça c'est la partie ouest Et les deux longues frises du nord et du sud continuent avec une impressionnante série de dizaines de cavaliers organisés en rangées. Ah, je vais vous passer. J'ai inversé effectivement une de deux parce que pour les mettre en parallèle. Mais c'est le même le même sujet, la cavalerie qui continue. Euh, à la fin de la cavalerie, des deux côtés, on a des représentations de chars où on peut reconnaître les jeux de la povatine euh, Il s'agit d'une démonstration pendant laquelle un jeune athlète armé devait devrait sauter d'un char en course, courir à côté et y remonter. C'est plus dans cette partie qu'il y a ces, ces, ces jeux. Mais bon, comme vous voyez, il y a énormément de parties qui manquent. Euh, devant les chars, il y a des hommes qui portent des offrandes, jouent de la musique ou conduisent des animaux pour les sacrifices. On va voir maintenant la frise de l'Est. La frise de l'Est prolonge ses actions qui convergent vers son centre. Cette, cette frise correspond à l'entrée euh, du temple et sa composition est symétrique. Au milieu, on y voit la scène de la remise du Peplos qu'on a évoquée tout à l'heure. Et à gauche et à droite, les dieux de l'Olympe sont, sont, sont assis. Je ne vais pas les nommer, c'est Athéna. Euh, euh, hephaestos, poseidon, Apollon, euh, Artemis, Aphrodite, Eros, et, etc. D'un côté, l'autre côté, il y a Jésus, Héra, euh, Arès, je crois, Perséphone, euh, Dionysos et Hermès. Et, suivent des petits groupes d'hommes appuyés sur leur canne en train de se concerter. Et ensuite, il y a euh, l'arrivée d'une série de jeunes femmes, les ergastines, celles qui ont tissé les, pe les peplos. Je ne sais pas si vous voyez mieux, il y a le groupe de, de, de femmes à gauche, à droite, le groupe de vieillards, des organisateurs probablement de la cérémonie, et les dieux comme on a vu l'analyse du mouvement. En regardant attentivement la frise, on peut, on peut constater une connaissance profonde de l'anatomie et de l'analyse du mouvement. On peut voir un premier exemple. Peut-être on va voir si le GIF s'active. Oups. Je vois un peu mal, donc je ne peux pas gérer très bien les, les choses. Et bien que les parties manquent, on peut constater que les différents animaux représentent dans leur ensemble des étapes, des images clés du mouvement d'un animal qui s'agite avant de se laisser maîtriser. Si on superpose les différents animaux, on obtient un mouvement très convaincant. Il est bien convaincant. Comme suite à cela, nous sommes d'accord, je suppose, qu'il ne s'agit pas seulement d'une animation, mais d'une belle animation qui rend toute la force de l'animal qui se débat. Et on peut voir un autre cas qui se trouve dans la frise de l'Est. L'image. De l'Est. Il s'agit de la représentation de dieux comme j'ai évoqué Athéna, héphaïstos, Poséidon, Apollon, Artemis, Aphrodite et Eros. Individuellement, les dieux ont des postures qui témoignent de leur identité. Poséidon, par exemple, tient un trident dessiné mais effacé aujourd'hui. Euh, il, était, il était là. Voilà, ici, il, il tenait un trident. Euh, Artemis rectifie son vêtement euh, d'un geste qui rappelle celui d'un archer qui vient de tirer une flèche, etc. Si on examine les mêmes figures comme un ensemble, on constate que leurs bras s'organisent en une séquence, passant successivement par des étapes clés d'une action concrète, celle de pointer vers la droite. D'une position détendue chez Athéna, euh, on descend en anticipation chez Poséidon et on monte progressivement pour aboutir au bras tendu d'Aphrodite. En animant ces figures, ceci donne. Suspense.

On voit à nouveau qu'il y a une cohérence dans les mouvements et cette cohérence a aussi une signification importante car l'endroit vers lequel les bras pointent est l'arrivée de la procession sujet de la frise. On voit euh, ainsi une double représentation à la fois par la posture individuelle et par l'action collective des personnages. Ceci a une grande importance car, mis à part l'illustration thématique identifiable immédiatement, on figure dans un, dans un deuxième niveau un principe fondamental de la cité qui fonctionne par le débat et la collaboration des citoyens. Ce type de représentation en filigrane est un principe général de la dramaturgie de la frise. On peut noter aussi que cette action de pointer est la résultante de la collaboration de deux séries de bras gauche et droit qui forment une sorte de compte On va revenir sur ces points très importants. On peut voir un autre cas dans la frise du nord. Dans le cas du jeu d'Apovatine, on a la même analyse du mouvement structurant. On peut deviner l'analyse de l'action malgré les parties qui manquent et de celles qui sont connues uniquement des dessins de Jacques Carré, faits après les bombardements du Parthenon en 1687, comme on a dit. Euh, comme dans les autres cas, l'action est représentée en filigrane à travers des de figures distinctes. On va voir euh, les films 22. Oui, c'est un peu long. On n'a pas la place de le mettre la totalité, mais voyez un tout petit peu l'écartement dans l'espace des positions euh, clés. Et on va avoir une reconstitution, ré mais d'une manière... Effectivement, il y a beaucoup de choses qui manquent. J'ai essayé simplement de donner, de donner une suite. J'aimerais m'attarder sur ces principes du mouvement en filigrane, car il ne s'agit pas d'une fantaisie formelle gratuite, mais il implique un contenu philosophique très concret. La conception, en effet, de l'époque, considère le cosmos comme une entité harmonieuse et parfaite. De cette conception, on déduisait les devoirs éthiques des. Saisir cette harmonie et de s'y intégrer. Le mal, le plus grand, l'ivris, hubris, et la démesure, la rupture de cette harmonie du cosmos. La dialectique, le processus de raisonnement qui cherche la vérité en confrontant des opinions opposées, est initié à cette époque par Zenon Delay. La synthèse des contraires se décline dans les propos de plusieurs philosophes, des Pythagoriciens qui affirment que la musique est une combinaison harmonique des contraires, une unification des multiples et un accord des opposés, jusqu'à Héraclite, dans la doctrine duquel nous pouvons trouver l'idée que c'est par la convergence des opposés et en endiotropie, que les êtres s'harmonisent. L'oxymore la figure de rhétorique qui réunit deux notions opposées, comme dans le célèbre proverbe Spev de vradeos, à toi lentement, est une illustration de cet esprit dialectique qui tire son sens de la contradiction. Cela va de même pour la méthode dite maïotique » de Socrate qui extirpe de son interlocuteur la conclusion. En les conduisant à travers les contradictions de la pensée. Le débat des idées dans l'Agora connaît un foisonnement sans précédent et dans un laps de temps relativement court autour de la période de la construction du Parthénon. Toute une lignée de philosophes d'opinions différentes et contemporaine de la construction du Parthénon. Désolé, c'est en anglais, ça vient d'un autre. Une autre présentation, c'est Zénon, Anaxagore, Protagoras, Gorgias Socrate, dont on dit Socrate, on dit même qu'il a travaillé sur la sculpture de la Frise. Son père, il était tailleur de pierre et il semble que quand il était jeune, il a dû graver un tout petit peu. Et d'autres ont précédé de peu, comme Parménide, Héraclite, Pythagore ou Thalès. Platon, Aristote ou Épicure sont plus tard, mais les fondements de leur pensée étaient déjà en gestation. On voit que cette représentation des actions en filigrane dans la frise ne témoigne pas simplement d'une connaissance approfondie du mouvement de la nature, mais représente le modèle de la structure sociale qui fonctionne dialectiquement. Par la synthèse après un débat co contradictoire. En promenant notre regard sur la frise, on peut constater qu'intuitivement, on cherche des similitudes. De la Gestalt psychologie, la psychologie de la forme, aux sciences cognitives d'aujourd'hui, on sait que notre cerveau cherche à créer des corrélations en examinant des similitudes. On peut voir deux exemples. Dans le premier film, notre cerveau trouve une relation entre les deux cercles, contrairement à ce qu'il considère pour le deuxième. Le cinéma fonctionne par l'utilisation de ces principes de la proximité, mais nous n'allons pas les développer ici. Dans la frise, on n'a pas un trompe lœil dans les mouvements, comme dans le cinéma. Mais on identifie la ressemblance des formes et on établit des associations. Par les similitudes, on crée des séquences en filigrane lisibles par la personne euh, attentive ou avertie. Ici, on peut remarquer que ce même principe de la ressemblance euh, proportionnelle est à la base de la musique. La résonance harmonique de l'octave s'appuie sur ces principes de la ressemblance des fréquences des sons. Dans la frise, on rebondit par la ressemblance d'une figure à l'autre, et ceci de manière rythmique et mélodique, ce qui crée une harmonie. La musique, la gymnastique sont des matières fondamentales de l'éducation athénienne dès le plus jeune âge. La santé physique du corps rime avec sa beauté, et s'intègre dans l'harmonie du cosmos. Si l'on regarde la frise systématiquement, on voit qu'il y a un développement des actions suivant des courbes harmoniques. On constate que l'équilibre dans la nature passe ah pardon j'ai sauté un tout petit peu une étape une phrase et comme on peut le constater par les chronophotographies de Marais, la locomotion humaine ou animale trace des trajectoires harmoniques et donc c'était la c'était cette image celle-ci et celle-là on constate que l'équilibre dans la nature passe par une dynamique complexe équivalente à la polyphonie et la complémentarité du contrepoint je ne sais pas si c'est si clair, mais on a des couples, de forces tout le temps à chaque mouvement, et tout élément articulé fonctionne avec des trajectoires. C'est un tout petit peu le baba pour les animateurs. Donc, je le dis uniquement pour les non-animateurs. Pour une conception du monde qui considère l'harmonie de la nature comme un élément fondamental, on peut sans difficulté identifier la source de l'inspiration. On voit que Phidias a trouvé un moyen de représenter par la structure et la forme cette unité harmonique du cosmos. Néanmoins, rien n'est moins obligatoire que d'utiliser ce type de représentation. Ici, il s'agit d'un choix intentionnel qui cherche l'harmonie. Si l'on compare, par exemple, la frise à d'autres représentations, euh, soit la colonne tra trajane, par exemple, soit à celle de d'Assyrie et de l'Égypte. On ne voit pas cette recherche de la nature idéale. Nous n'avons pas le temps d'arrêter d'entrer dans les détails de ces, de ces comparaisons, mais il faut noter que dans que d'autres dans cas, comme dans les reliefs de Persépolis, euh, il y a une musicalité également polyphonique ou polyrythmique utilisant les contrepoints, mais assez différentes. J'ai fait un petit, petit, petit film. On voit bien, je suppose, qu'il s'agit des réponses de la, des, des, des séries qui sont organisées avec de similitudes, de variations de thèmes, etc. etc. Une logique de compte-point. On peut essayer d'analyser de près une petite partie de la frise, celle de Dieu. On peut constater qu'il y a dans la forme plusieurs couches parallèles organisées harmoniquement qui guident notre regard. On peut voir les grandes masses de corps qui s'alternent de profil à trois quarts. Première ligne. L'organisation des tabourets et l'évolution des têtes par paires qui se répondent. Les jambes qui s'alternent position croisée et position écartée, les ruissellement des plis des vêtements et surtout les bras qui développent, à mon avis, les motifs principal, répondant en contrepoint les uns aux autres. Ces ensembles de sonorités, entre guillemets, si on peut le dire, vont du de, de plus grave des formes larges des corps au plus aigu des plis fines des vêtements suivant cette lecture, il s'agit d'une composition polyphonique savante qui utilise à l'évidence la complémentarité du contrepoint. Le surprenant est que d'après la plupart des historiens comme on disait de la musique, la pratique du contrepoint se développe à partir du 9e-12e siècle et de manière générale, on considère que la musique antique était monodique. Bien sûr, cette affirmation, bien qu'elle soit très répandue, n'est pas sans réserve ou objection. Et Je pense notamment à l'excellent ouvrage de Gevaert datant de 1875 où il démontre l'existence de la polyphonie dans la Grèce antique. Mais dans la frise, on a l'évidence d'un savoir du contrepoint, ce qui nous donne le droit de mettre sérieusement en question l'idée que la musique antique était monodique. Si on regarde maintenant l'organisation globale des scènes de la frise, on peut noter que la procession n'a pas partout la même largeur. Les figures sont représentées dans l'espace et non dans une surface. Les sonorités, donc, sont spatialisées. On peut noter aussi que des mouvements de, euh, en masse de la cavalerie en arrière, on passe à des figures individualisées à l'arrivée et que la densité des figures n'est pas toujours la même. Euh, je, ici, c'est le chemin que j'ai préparé. Et la cavalerie, c'est là. Là, ensuite, il y avait les chars. Ensuite, il y avait des, des figures individualisées. Et etc. La procession donc commence à l'ouest, dans, dans une dissonance aléatoire des préparatifs. Elle se propulse par le martèlements massif mais de longueurs inégales, de la cavalerie du nord et du sud. Elle s'individualise avec énergie toujours dans les performances des chars, également de longueurs inégales. Elle s'adoucit ensuite. Par la euh, représentation sereine et mélodique des musiciens et des porteurs d'offrande, dynamisée ponctuellement par l'agitation des animaux euh, du sacrifice. Après cette propagation d'énergie de l'arrière vers l'avant, la composition abandonne la dissymétrie aux angles de la frise de l'Est, ici et là. Et la procession euh, se synchronise. Et l'organisation devient symétrique, solennelle. Dans les quelques rares notes qu'Aristote a écrites sur la musique, il constate que rien ne charme plus l'oreille que l'unité succédant à la diversité. ek diaforon to en grec antique. On peut remarquer, que la synchronisation de la composition globale aux abords de la frise de l'est correspond à une forme jugée comme agréable par Aristote. On a constaté que la composition globale s'organise en deux lignées, des scènes parallèles et ressemblantes, mais de longueurs différentes, qui se répondent. On a encore ici une forme polyphonique et de contrepoints. Si l'on compare leur développement, on peut constater qu'il y a des segments dont l'organisation pouvait être qualifiée comme énergico con rigore, agitato, andante cantabile. Je ne sais pas si vous vous souvenez des courbes qu'on a vues tout à l'heure. Je ne vais pas revenir en arrière, mais j'espère que vous vous... Gardez à l'esprit. Et maestoso, ils sont beaucoup plus statiques. Nous pouvons également rapprocher l'organisation de largeur des formes des différentes parties à des échelles ou genres musicaux de, et leur caractère, leur ethos. ethos. Euh, ici, vous voyez l'échelle. La, la, dominante, c'est l'épaisseur de, de pattes des chevaux. Le, le, le caractère dominant, c'est les plis des vêtements. Nous savons, par exemple, que les genres diatoniques utilisaient uniquement des tons et des demi-tons et, et avaient un caractère viril. Ça, c'est diatonique, il y a un ton un ton et un demi-ton. C'est un peu l'échelle d'aujourd'hui. La chromatique, qui avait tri mi ton demi-ton et demi-ton, et une harmonique, qui était assez particulière, qui avait euh, un demi-ton et il y avait des micro-intervalles euh, de quart de ton, qui, est pour faire les choses plus simples, c'était pas toujours égaux, etc. etc. Et donc, je suis majeur. 40. Donc, les, les, les genres diatoniques euh, avaient un caractère viril, tandis que les genres enharmoniques avaient un caractère solennel et utilisaient des intervalles de tons, mais surtout de dix tons et même temps qui de euh, de, euh, est des quarts de tons. Ça, c'était des constats, c'est des écrits anciens qui caractérisaient comme ça les la musique la qualifiée solennelle, harmonique, virile, etc. etc. Eh bien entendu, cette étude doit se faire de manière exhaustive eh, et mon travail n'est pas encore achevé. Je pense que la friche du Parthénon est conçue comme une partition de composition symphonique musicale et je suis en train de déchiffrer cette partition. Non, là, là c'est encore les le, le gammes, mais, mais dans... Ce n'est pas les, un seul tétracorde, mais c'est les, les quatre tétracordes. Donc, le travail du déchiffrement de la partition. Ici, c'est intéressant, j'ai pensé au début, en regardant des, des images, des figures qui sont symétriques, j'ai pensé qu'il y avait des distances qui étaient plus ou moins, on pourrait les, les, les retrouver. Or, j'ai constaté que, comme si c'était fait exprès, à ne pas avoir à deux reprises la même, la, la même dimension de figure. Pareil, il y a des, des, les, des, des histoires sur le nombre d'or. J'ai essayé d'appliquer le nombre d'or, etc. Dans un moment, ça s'applique. Si on avance un tout petit peu, ça se décale et ça ne ça, 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 ça s'applique plus. Ou d'autres types de proportions, 4 neuvièmes, qui ont été euh, proposées par, par, par d'autres. Il y a d'autres essais. Là, les, euh, une analyse de etc., la répartition dans l'espace ou une analyse un peu plus détaillée. Je ne sais pas si vous arrivez à, à, à voir. Euh, il y a quand même l'esquisse des de, de motifs qui se superposent. Malgré le fait qu'il manque de parties, je crois qu'il y a quelque chose qui, 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 qui transparaît. Nous avons dit plus tôt que la frise était placée très haut et ainsi elle était difficilement visible. Mais on sait que le principe de nos sociétés de communication, existe celui qui est visible, n'était pas valable à l'époque. Pour l'Antiquité grecque, l'harmonie était recherchée comme une valeur en soi, indépendamment de sa visibilité ou pas. Ainsi, les statues des frontons étaient achevées soigneusement sur leur partie arrière, bien qu'on savait pertinemment qu'elles ne seraient jamais visibles. La frise représente des événements dont tout atteignant de l'époque euh, était témoin ou partie prenant, puisque la procession avait lieu chaque année avec une version plus importante tous les quatre ans. Ainsi, les spectateurs de l'époque connaissaient les représentations de la frise comme un spectateur d'opéra actuel connaît souvent les livrets par cœur et n'a besoin que de se les rappeler de temps à l'autre. On peut donc considérer que cette représentation n'est pas faite pour être regardée, mais pour constituer un objet de référence. Plutôt que l'apparence, le paraître, c'était la vérité, l'être qui est recherché. Et ainsi, c'est le fonctionnement dialectique de la société athénienne qui est représenté, plutôt que son image. La forme est un modèle qui reproduit ce fonctionnement, où l'essence ne se manifeste que comme résultante des différentes représentations. Elle est un objet dialectique et ainsi obligatoirement polyphonique, où le spectateur est forcément impliqué, une représentation du modèle de la démocratie athénienne et de sa conception du cosmos. Je pense qu'il s'agit d'un objet philosophique conçu pour être contemplé mentalement plutôt que visuellement. L'analyse du mouvement constaté dans la frise Constitue un ancêtre du cinéma d'animation. Mais qu'en est-on de la dramaturgie Le cinéma d'animation possède une quantité de films organisés comme une musique visuelle. La dramaturgie, dans ce cas, comme dans la frise, passe par l'évolution des thèmes, les tensions et les détentes, à l'instar de ce que la musique sait très bien faire. Dans la frise, l'organisation musicale est porteuse de la dramaturgie, de cet élan émotionnel maîtrisé, mais ce n'est pas tout. Nous pouvons distinguer deux autres niveaux de lecture. L'un précède, l'autre évolue en parallèle et où suit cette organisation dramatique musicale. La première lecture anecdotique. Et la reconnaissance des personnages et des actions qu'ils qu illustrent. Sur ces points, les discussions sont nombreuses. Il y a des chercheurs qui voient des combattants de marathons euh, ou de, les principales les participantes à deux processions différentes, etc. Mais cette lecture thématique n'est pas euh, la plus importante à mon avis. Nous avons constaté qu'il y a un autre récit qui passe par la structure, par les mouvements subliminaux, par l'animation, donc qui se crée entre les personnages aux postures très étudiées. L'essence de ce récit est l'esprit démocratique de la cité intégré dans la beauté de la nature et l'harmonie du cosmos. Ici la narration prend la forme d'une formule dialectique, d'un paradigme ou d'un modèle scientifique si on préfère. Nous n'avons pas une forme métaphorique, mais une structure métaphorique. La rhétorique de la Frise, comme la maïotique de Socrate, amène les spectateurs à conclure. Phidias fournit une belle partition. C'est au spectateur averti d'interpréter la musique. La composition, et j'insiste là-dessus parce que je crois que c'est une approche dans une dramaturgie qui pourrait inspirer nos pratiques d'aujourd'hui. La composition démontre plus qu'elle n'illustre l'existence de cette symphonie, au sens étymologique de l'accord, signe plus phonie, de l'ensemble. Ceci constitue une forme peu répandue des narrations poétiques d'un contenu philosophique. Dans la frise, nous avons en conséquence une lecture sur plusieurs niveaux, anecdotique, musicale, philosophique. La dramaturgie de la frise tire sa force de cette multiple lecture et du fait qu'elle invente une forme forte et cohérente qui reproduit métaphoriquement la structure plutôt que l'apparence de son sujet. C'est dans ce sens que la composition de la frise transcende les simples objets de dramaturgie pour devenir un objet de philosophie, c'est-à-dire un objet d'art dans sa plénitude du grand art. Alors, je pense que c'était un tout petit peu fatigant jusqu'à maintenant. Et pour la fin, je vous ai réservé donc une surprise. Environ 2450 ans après sa conception, nous allons entendre un court extrait de musique et peut-être après je vais vous montrer d'autres animations et une interprétation de la partition de la frise du Parthénon. La musique est de Ivan Boumans Molina, que vous voyez sur l'image. Et bien entendu, il faut préciser, eh, nous n'avons pas utilisé les genres ou les échelles de l'époque. On a simplement essayé eh, de voir par rapport à la forme, par rapport à l'épaisseur, la largeur de la forme, et par rapport à l'attitude vers le haut, vers le bas, euh, etc., de posture, de chevaux, qu'est-ce que ça donne? J'ai la partition, si quelqu'un s'intéresse, je peux la montrer après, mais je préfère vous montrer et écouter les films. C'est juste cette petite partie. <métitérance> On va réécouter. Simplement, euh, les masses euh, ont été euh, interprétées par des instruments de tessiture plus graves, euh, des mouvements vers le haut et vers le bas euh, par des instruments de tessiture plus, euh, relativement plus aigus. Euh, il y a des recherches à faire et les motifs euh, des de pattes avant notamment, et de, je vais les faire jouer deux, trois fois, essayer de de distinguer aussi les mouvements, par exemple, ce qui est plus caractéristique ici en ce moment, ça s'entend mieux ou ici, euh, ça s'entend mieux les landes le vers le haut. Voilà, euh, si vous voulez, je ne sais pas si on a le temps aussi, on a 48, on a je, je vais vous montrer deux, trois petites animations encore, juste parce que, euh, et puis après on peut discuter si vous voulez, s'il y a des questions. deux positions clés et qui sont assez éloignées et qui c'est à l'évidence il y a une il y a une animation Vous voyez la figure celle là c'est là C'est une figure importante parce que ça fonctionne aussi à l'intérieur de, de l'espace comme une espèce d'acapot avec cette figure qui se trouve à l'est. C'est-à-dire qu'il y a un renvoi euh, de... Euh, euh, il y a par moment des figures qui sont totalement euh, identiques et, et ils sont d'une manière ou d'une autre connectés. Allez, je vais vous montrer des, euh, des rapprochements par moment. Vous voyez ici les, les plis. Ils s'inspirent, à mon avis, de ce type d'activité. Voilà, petit... Là, j'ai achevé certaines choses. J'ai mis des intervalles entre deux des positions. Et... Alors ici, j'ai essayé, cette, ça vient d'une autre proposition, euh, comme quoi dans la, dans la Frise, il y a beaucoup de tourbillons et des évocations de la mer, et, et j'ai eu les soupçons qu'à euh, l'origine du mouvement, il y a le mouvement des sacs et des ressacs euh, dans la mer. Donc euh, il y avait la première partie qui s'arrête ici, et la deuxième, là ça recommence. Et la deuxième qui se propage jusqu'à là, et avec le tourbillon, ça renvoie euh, en arrière. Et comme, comme Athènes, à cette époque, c'était une puissance euh, importante, euh, euh, une puissance maritime, afin de, il avait beaucoup de... Des bateaux et sa puissance appuyée là-dessus. Je crois que, que les symboles comme la cavalerie étaient liés forcément avec cette, euh, cette euh, représentation. Et il y a d'autres éléments encore. Par exemple, si je me suis amusé de mettre un peu par terre, les projections au sol, toutes les figures, et si vous voyez, euh, euh, ça converge, n'est pas encore fini, etc., la partie est. Mais ça, ça rappelle quand même énormément cette histoire de la mer. Voilà, bon, on peut, on peut en parler avec des questions et des réponses. Merci pour, de, de, de votre attention. Et Bonjour et merci. C'est passionnant ce que vous racontez. Moi, j'ai une question concernant la musique de, de Molina qui a interprété donc le mouvement. Euh, il me semble, mais j'ai peut-être mal compris. Vous allez m'éclairer. Euh, il n'a pas euh, intégré l'intensité dramatique du mouvement. C'est normal C'est-à-dire, c'était une, une expérimentation euh, quelque part euh, anti-musical. Euh, C'est-à-dire, il, il faisait ce que je lui disais. Je ne suis pas musicien. Et, et simplement, je voulais un peu une traduction littérale de ce que qui, qui j'ai senti. Et effectivement, maintenant, a posteriori, je pense qu'il faut adapter d'une certaine manière. Et quand un cheval se lance dans ce sens, on ne peut pas garder les côtés, les côtés mécaniques, qui est les aigus, ils sont vers le haut, mais il y a une dynamique qu'il faut, qu faut tenir compte. Simplement, comment... comment euh, euh, combiner tout ça, c'est ça les le, le, le problèmes. Parce qu'effectivement, euh, pour ne pas avoir de malentendus, Phidias, euh, il n'a pas créé une musique à but d'être interprétée. Simplement, comme il était musicien aussi, tout le monde était musicien, comme il baignait dans l'harmonie, il considérait qu'il fallait faire de l'harmonie. Et donc, les règles de, de l'harmonie c'était ça. Simplement, il avait adapté. Les règles de l'harmonie de, de polyphonique et contrapoutique de la, de la musique dans un ouvrage qui, a, qui a une autre nature. C'est ça qui est l'intérêt. Alors, il y a une chose, une phrase que vous avez répétée peut-être plusieurs fois qui me. Ici. Alors, qui me, me plaît beaucoup, qui m'interroge beaucoup, vous avez dit que la représentation n'était pas faite pour être regardée, c'est la vérité qui est recherchée. C'est-à-dire que alors, Phidias travaille, il fait quelque chose, ce n'est pas fait pour être regardé. Ça veut dire que ça continue à avoir une vie en soi. Oui, oui. C'est-à-dire la valeur, il y a un constat. Dans les, dans les sculptures qu'ils on qu ont créées sur les hauts, euh, on a constaté que la partie arrière, que personne ne pouvait voir jamais, enfin, sauf quand on construisait, elles étaient faites parfaitement. Et, et ça, 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 ça s'explique euh, du fait que pour eux, ce n'était pas le paraître, l'apparence qui comptait, mais l'existence, l'être. Donc, il essayait de faire les choses comme il fallait être, pas comme il fallait qu'on les voit. Et donc, c'est une valeur fondamentale qui existait à l'époque et aujourd'hui, elle a disparu parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt la communication, c'est le paraître, le look, l'apparence, etc. C'est ça la différence. Je voulais la souligner un peu parce qu'on euh, ne peut pas forcément se reconnaître sur une mentalité. C'était bizarre. Pour nous, c'est bizarre. Pourquoi travailler longtemps pour construire quelque chose que personne ne va le voir. Alors, vous avez... Alors, ma deuxième interrogation, vous avez dit que je crois avoir compris à un moment, parce que vous parliez, c'était très riche, et je crois avoir compris à un moment que vous disiez que euh, le modèle de la cité, qui était, si je comprends bien, euh, la résultante de, de, de dialectique en général, euh, n'était pas forcément le seul modèle possible. Est-ce que j'avais est bien compris Mais sans, sans que vous creusiez cet aspect-là, est-ce que je me suis trompée ou, ou pas Parce que personnellement, je ne vois pas... Non, je ne pense qui... pas que j'ai dit ça. Oui, parce que je vois pas ce qui peut, ce qui peut y avoir comme autre modèle. Mais, mais bon, j'étais en train de copier. J'ai entendu un truc. Je dis tiens, il faudra que je l'interroge. Mais vous n'avez pas dit ça. Non, non, non. Effectivement, il y a les... bon, il, faut, il faut, il faut, penser quand même qu'ils ne sont pas de situation absolue. Ça bougeait énormément. Mais dans, les, dans la période de l'époque d'or de Périclès, la société arrive à un point où, effectivement, il y a un idéal qu'ils essayent d'approcher. Et là, effectivement, c'était l'agora, c'était la, la, la démocratie, c'est-à-dire les, les, les décisions pour ce qui nous concerne étaient, se prenaient de manière collective, etc. Bien sûr, il y avait les esclaves à côté, mais je parle pour les libres. Et il y a une, une chose qui me fait réfléchir aussi par rapport à ce que tu dis, Georges, c'est que la, la Grèce était une, une cité insulaire. Donc comment, euh, comment harmoniser euh, des fragments pour que pour que ce soit un tout Et surtout, c'est une des premières civilisations euh, occidentales où il y a la, la notion de cité. Ça veut dire on, on fait confiance de manière implicite à. à donc il, il fallait que, Quelque chose qui, qui paraît une frise, ça veut dire que beaucoup d'éléments puissent danser ensemble quelque part dans l'animation et dans une musique. J'ai pas compris. Si un, tu veux, insulaire. Tu... Insulaire, c'est-à-dire que bon, c'est quand même um, une, une île, cité. Non, mais c'est quand même c'est un pays, si on peut dire, c'est une civilisation qui est composée d'îles. Comment et, et, et les liens, c'est la mer. Donc comment comment garder cette unité? Je pense que c'est aussi en représentant une dialectique et des, et des parties, des fragments qui, qui restent unis, qui dansent ensemble et, donc, et qui sont en mouvement. Parce que c'est beaucoup plus euh, difficile de maintenir un, un pays uni à travers des îles. Et il y a une métaphore qui est très, très forte là-dessus, je trouve. C'est probable qu'il y a d'autres dimensions qui, peut-être, je n'ai pas forcément. Euh, euh, Vu mis en valeur, etc. Euh, il, il, est, il est certain qu'il ne faut pas, il faut pas qu'on idéalise non plus cette période. Euh, il y a, a d'autres, on pourrait, on, pourrait, on pourrait dire qu'Athènes, il, il avait une politique impérialiste vis-à-vis -vis de, de ses alliés. C'est vrai que, les, que les, ces, ces euh, constructions ces œuvres d'art qui restent ont été faits en bonne partie avec l'argent de, de copains, de, de la, des alliés qui étaient gardés. Mais bon, il ne faut pas non plus euh, aller dans l'autre sens. Il y, avait, il y avait beaucoup les sentiments religieux de l'époque. Euh, je ne vais pas entrer trop dans ces, dans ces endroits-là que je ne connais pas beaucoup, mais en tout cas, euh, ça représente quand même, a posteriori, on peut lire des choses et les interpréter d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si j'ai compris ou si j'ai répondu à la question. Euh, oui, Georges. Euh, je, voulais, je, je me lève comme ça, tu, tu me vois. Euh, je voulais juste savoir, tu nous as montré des exemples de bas-reliefs égyptiens et puis la colonne de Trajan aussi. Euh, je voulais savoir si tu avais, euh, si avais poursuivi ton étude euh, sur d'autres euh, frises grecques de la même période ou sur d'autres œuvres de Phidias pour savoir si euh, euh, voilà, ce que tu as découvert ou en tout cas ton sujet d'étude, si on pouvait le, le, le retrouver ailleurs. Alors, euh, euh, oui, mais, tu, mais, tu, mais tu, me, tu, me la, tu me donnes une perche parce qu'effectivement, c'est un peu dommage, mais quand on programmait cette... Euh, présentation, on serait deux ici. Il devrait y avoir Marc Azema qui, pour ceux qui, vont, qui veulent voir la télé ce soir, je crois, il y a un long métrage documentaire qui passe à lui, c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir, et qui est lui le spécialiste de la préhistoire et il a même découvert un tomatrope, c'est-à-dire un, un jouet optique préhistorique et donc ce type de, euh, de, de tentative d'utiliser les mouvements euh, existe de manière euh, à plusieurs euh, reprises euh, dans, la, dans le passé euh, moi-même pour Fidias je sais qu'il a fait école après je n'ai pas eu le temps de voir les côtés après, par contre euh, j'ai travaillé un tout petit peu dans l'Égypte et il y a, bon, je le garde ça pour l'année prochaine, hein, il y a de, de, des animations euh, peut-être pas aussi sophistiquées. Moi, jusqu'à maintenant, je ne suis pas tombé sur quelque chose qui est très élaboré du A à Z comme ceci, mais il y a quand même euh, différents des figures de, euh, en Égypte qui, qui, qui sont euh, 2000 ans avant euh, la frise euh, les Persepolis que vous avez vu euh, l'exemple, il est certainement musical mais je pense que si on avait une jazz band ici on pourrait, on pourrait l'interpréter ces, 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 ces fragments et, et de manière euh, contrapuntique euh, ça date 500 ans avant euh, les Parthénons euh, il y a une évolution. Euh, ces gens-là, ils, ils connaissaient certainement les uns les autres. Simplement, il y a une évolution et une euh, progression dans le travail. Il faut les déchiffrer. Est-ce que j'ai répondu Oui, donc l'utilisation la, la, du mouvement, de l'animation, de, de l'analyse du mouvement dans des représentations graphiques existe intentionnellement depuis la pré préhistoire, la combinaison avec la musique en Égypte, on a, on a vu le côté polyphonique, en Égypte aussi, il y a, on ne connaît pas beaucoup la musique de l'Égypte, mais j'ai trouvé un, un scientifique, archéologue, archéologue de, égyptologue, qui a travaillé sur la musique. Et lui, il a repéré sur des reliefs ou des représentations des figures d'un personnage qui fait des gestes, qui s'appelle le chironomos. Chironomo, ça veut dire c'est quelqu'un qui fait des gestes. Ce personnage, c'était face à chaque musicien, à chaque instrumentiste, et il lui dictait quelque part la, le thème de la partition avec des gestes. Et ces chercheurs, il a décodé ce type de gestuels, etc. Voilà, donc il y a de, y a de quoi développer. Pour l'instant, je ne pourrais pas dire davantage, mais en tout cas, la musicalité euh, existe. On les le ressent en, en, en regardant. L'attention de la forme existe aussi, mais de manière différente. Euh, je ne sais pas, il faut que, il faut que vous m'arrêtiez parce que sinon je vais continuer. Oui, j'avais une question aussi par rapport justement au livre de Marc Azema qui a été euh, beaucoup critiqué aussi parce qu'effectivement, euh, euh, les hommes préhistoriques et puis les Grecs ont, avaient sûrement une intention de mouvement, mais la synthèse du mouvement, c'est toi qui l'as fait euh, avec les instruments actuels. Et c'est notre esprit actuel qui... Qui crée les images et l'intention est différente de la synthèse du mouvement. Et euh, je pense que tu fais dire des choses euh, avec des instruments actuels, techniques, que les Grecs anciens ne voulaient pas forcément dire. Ils avaient l'intention d'un mouvement, mais le, de parler d'animation, c'est vrai que ce n'est peut-être pas forcément utile pour, pour la démonstration, pour montrer qu'ils qu avaient l'intention, une intention de mouvement. Ça, c'est certain dans la frise. Euh, ça, c'est évident. Mais la synthèse, je pense que c'est ce qui a été reproché à Marc Azema aussi c'est de vouloir absolument euh, montrer qu'il y a une synthèse du mouvement qui, en fait, n'existe que dans notre esprit à nous. Et je pense que Marc Agema, il a prouvé bien plus que moi euh, sa découverte. C'est-à-dire, il a fait la démonstration d'un jouet optique qui, à l'évidence, ça peut se jouer. Donc, forcément, il y a une intention. Donc, euh, autrement, ben, effectivement, ça peut être... Euh, tout bêtement décoratif, mais le fait d'avoir de deux côtés, d'avoir les trous, etc. En tout cas, personnellement, j'étais convaincu de sa démonstration. Et en -ce, ce qui que, concerne oui. ici, c'est ce que j'ai évoqué un peu euh, ici. Bien entendu, euh, ni, 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 ni eh, partition symphonique pour être jouée, ni pièce cinématographique n'existait. Dans la tête de, du concepteur de, de la frise. Sauf que, euh, dans notre. C'est-à-dire, comment on raconte une histoire que Cette histoire, c'est euh, la démocratie, la force de la cité, euh, l'harmonie du cosmos. Quels sont les moyens qu'il a à, à sa disposition C'est la continuité de la forme. C'est-à-dire, lui, il fait une analyse et moi, spectateur, j'ai fait la synthèse dans ma tête c'est un travail mental c'est ce que j'évoquais tout à l'heure qui invite fidias' propose une partition et il invite chacun de nous euh, de faire sa, sa prière quelque part face à cette icône pour le dire avec d'autres termes euh, certes il n'avait pas euh, il pas il connaissait pas le cinéma, il connaissait pas la superposition, sauf qu'il connaissait l'évolution, la fluidité des formes. Il avait bien observé les, les, les mouvements, l'analyse du mouvement, les tempos. D'ailleurs, à d'autres endroits, les, les, les jeunes femmes, qui, la petite scène du, du début, euh, on peut chronométrer, comme avec les bœufs, on peut chronométrer vraiment précisément l'air, l'air. Euh, distance d'un dessin à l'autre euh, il faut oui oui je voudrais juste euh, enfin, rectifier peut-être une petite chose c'est que le, le tomatrope donc dont parle monsieur Azema euh, a priori à l'origine n'est pas fait pour donner une sensation de mouvement mais au contraire pour démontrer un phénomène de persistance rétinienne donc en tournant rapidement, deux images se mélangent pour en former une troisième, mais pas pour l'animer a priori. Donc, je trouve que le, cette démonstration de M. Azema est un peu, un peu courte. Et puis, d'autre part, je voudrais signaler que euh, ce genre de démonstration, ça me fait beaucoup penser à un film euh, de Leif Marcusson que vous connaissez probablement pour beaucoup d'entre vous, euh, qui a fait un film qui s'appelle Stone, donc Rocher, Pierre, euh, où il a filmé donc, des rochers euh, et fait apparaître des images sur ces rochers qui, sont, qui deviennent une évidence à partir du moment où il les a tracées justement au-dessus du rocher. Et il fait apparaître un bestiaire tout à fait incroyable, il fait apparaître des scènes qui sont absolument évidentes dès que l'image disparaît. C'est-à-dire que le rocher porte en lui-même toutes ces scènes. Donc je crois que c'est surtout une preuve de la puissance de notre imaginaire, de notre imagination. Oui, bien sûr. Oui, je, je me posais la question si vous aviez envisagé la possibilité qu'on fasse le tour du Parthénon à cheval pour faire comme un zootrope avec les colonnes qui masquent la frise, image par image. Et passer, passer, <laughs> c'est joli comme, comme idée, mais c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace euh, pour, pour passer. d'ailleurs, il y a. Euh, mais mais j'ai pensé un moment, j'ai pensé un moment du fait qu'il y a des colonnes qui ont une espèce de rapport euh, d'alternance. J'ai essayé de voir si ça pouvait se jouer comme une espèce d'interrupteur. Pour déclencher les, 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 les scènes. Je pense j'ai abandonné vite cette, cette, cette idée. C'était pas vraiment, c'était pas opérationnel. L'autre problème, c'est que pourquoi j'étais un peu euh, pourquoi je pensais qu'il vaut mieux la penser mentalement, parce que quand on suit la succession. Euh, il y a d'un côté, si on prend un itinéraire du, de l'ouest à l'est, par exemple, on peut venir de l'arrière d'une partie. Mais de l'autre côté, si on continue, on va être face à la, à la cérémonie. Quelque chose n'allait pas. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai vu qu'il y avait de, des éléments qui, euh, euh, qui collaient. Je, je, je vais vous dire encore quelque chose. Cet été, j'étais en vacances près de la mer et j'entendais les cigales. Alors, dans mon idée symphonie de la musique, je me disais mais OK, très bien. Il y a des choses qui sont similaires, mais si on même si on, ils sont décalés, si on met une orchestre par là et une autre par là qui jouent ensemble, mais qui joue de manière décalée, ça sera un vacarme. Euh, pas forcément agréable. Or, si vous voyez les, si on écarte ces orchestres, le plus qu'on les écarte, le plus qu'on arrive à tolérer, de, à accepter des choses qui sont dissonantes. Dans la musique de l'Antiquité, il y avait la, la, la dissonance, c'était acceptable dans une certaine mesure. Et c'est ce qui dit Aristote quelque part. Pourquoi de la dissonance? Quand on arrive à l'harmonisation, pourquoi ça, ça nous plaît. Donc, ils acceptaient une certaine dissonance. Et les cigales euh, jouent beaucoup avec la spatialisation. C'est-à-dire, s'il y a un groupe qui est là, et un autre groupe qui est là, et un autre groupe qui est là, les motifs, ils ne sont pas toujours les mêmes, mais n'empêche, ça crée une espèce d'ensemble de, euh, de, dans l'espace qui n'est pas désagréable. Même s'il joue par moment des, des, des motifs un peu du notaire qui est pas exactement la même, encore qu'effectivement il n'y a pas une variété très grande. Oui, bonsoir. Euh, je voulais vous demander la part de l'informatique si vous l'intégriez dans vos recherches, parce qu'on a l'impression là donc on assiste à vos hypothèses, à des projections, à euh, des dessins, euh, quelque chose d'assez humain. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les possibilités informatiques d'analyse qui permettent de décoder des images, des visages, de, de trouver des codes là où on n'en verrait pas spontanément, est-ce que vous utilisez l'outil informatique dans, dans vos recherches euh, maladroitement, mais les, les films, par exemple, c'est des images. De... Je ne sais pas dans quel sens. Ça non, je ne pense pas forcément à l'informatique du point de vue de l'utilisateur avec les, les logiciels, mais plus la puissance de l'informatique. Enfin, par exemple, Google, qui est capable de reconnaître des visages dans des, dans, dans des images, ou de tracer et voilà, des, des parallèles entre des images du passé et d'aujourd'hui. Enfin, Aujourd'hui, la, la, la capacité de calcul informatique permet de trouver des justement, des, des récurrences euh, et de dégager des schémas. Euh, mais bon, je... je... Oui, c'est une, une bonne piste, effectivement. Je n'ai pas approfondi beaucoup. J'ai eu une correspondance à un moment avec un Belge qui a, euh, qui a écrit un logiciel qui était capable de détecter euh, les, les... de transformer, traduire les, les volumes, les ombres, les lumières, pour les aveugles, justement. Il traduisait l'image en son. Mais c'était assez rudimentaire et ça ne m'aidait pas beaucoup, donc je laissais de côté. Mais si vous avez une piste... Ah, aucune. Si, si je me souviens bien de ce que j'avais lu sur cette frise, elle était peinte avec des couleurs vives. Est-ce que, est, est -ce que cette question de la couleur est entrée dans votre recherche et est-ce qu'elle est qu joue un rôle Oui, et, elle était peinte avec des couleurs relativement simples qui n'existent plus du tout maintenant. Ils sont, depuis les le, le siècles qui sont passés, ils les ont délavées. Et il semble qu'il y, y a des pigments par moment qui, qui restent. Il semble qu'il y avait une couleur unie et sur le fond. Et les, les, les restes étaient relativement des couleurs euh, simples. j'ai tenu compte de ça. Euh, ça, ça C'était plutôt la preuve pour moi qu'on ne pouvait pas appliquer de, de proportions du genre de nombre d'or ou 4 neuvièmes dans ces ce cas. Et pourquoi Parce que, admettons qu'on avait pris deux figures sur les bords et qui correspondaient avec le nombre d'or. Euh, si on mettait une figure d'une couleur ou d'une autre, ça la faisait pousser en avant ou en arrière, et ce qui déséquilibrait la totalité de la, de la composition. Donc, forcément, à cette époque, et les couleurs jouaient, contribuaient dans cette, euh, concept, dans cette euh, harmonie, mais ces informations, malheureusement, on les, ne les a pas. Il y avait d'ailleurs d'autres parties métalliques euh, qui manquent, de, euh, des harnais, de, euh, des armes, des boucliers, de, enfin pas des boucliers, des, des lances, enfin des choses comme ça. Alors, la dernière question. Est -ce que, juste une question, si vous parliez, comme on parle d'animation, euh, le lien, le lien euh, moi qui me semble évident, évidemment, peut-être parce que je suis un peu. On est tous concernés par l'animation là aujourd'hui, euh, mais cette, euh, les sculptures dont on dit qu'au départ, quand on est petit, on dit les sculptures, c'est des sculptures parce qu'elles bougent pas. En fait, là, c'est une superposition de mouvements, de couleurs qui n'existent peut-être plus, mais qui existaient, d'intensité, euh, de, de regroupement. Donc, c'est vraiment, c'est ce qui fait l'animation aujourd'hui. En fait, c'est comme ça qu'on qu procède pour l'animation, ce que je trouve aussi très intéressant. Et vous en avez fait la démonstration à travers les petits films. Et, euh, et c'est ce qu'on voit aussi dans l'animation, dans et particulièrement quand elle est bien faite, c'est qu'on on part d'un début de mouvement et, le, et tout évolue. Je veux dire que là, dans la frise, on voit par segment euh, des personnages qu'on peut retrouver ou des mouvements qui peuvent perdurer dans la frise, c'est pas très clair ce que je dis, mais où on sent qu'il y a un début et que ça évolue. C'est bien ça la démonstration que vous vouliez faire sur l'animation, on est d'accord hein et avec les superpositions, y compris de la musique, aujourd'hui, c'est ça l'animation, c'est la musique, la couleur, le mouvement, les voix, etc. C'est etc., ça Oui, il y a, une, il y a une, une continuité, il y a une cohérence, euh, il, y a, il y a un ensemble qui est harmonique, qui est composé par les constituants, les éléments constituants, qui sont, les, qui sont la métaphore des citoyens, en quelque sorte. Bien, nous allons nous arrêter là. Merci Georges pour Merci cette beaucoup. belle communication.